Eh bien, bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne Retoupi la Deline. J'espère que vous êtes tous super bien en ce mardi 23 novembre. Comme vous le savez, aujourd'hui j'ai eu le gros DS d'anglais. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Donc, enfin, il était composé de quoi? Donc, on avait une partie grammar test. En gros, on avait tout plein de phrases. Et on devait choisir le bon mot qui allait dans cette bonne phrase. Et bien sûr, il fallait qu'il soit en même temps enfin de la phrase, etc. Pardon. Petite pomme que j'ai mangée avant. Et ensuite, donc, on a eu un essai à faire. Un essai de 300 mots minimum. Et en fait, c'était tiré. Enfin, il y avait un extrait. Enfin, pour moi, c'était un pitch, mais. En gros, il y a un extrait d'un homme politique, enfin je présume, lors de la COP 26, donc 26, qui disait que, enfin si je me souviens bien, qui disait bah, il fallait qu'on arrête tout simplement de continuer d'exploiter enfin, toutes ces ressources fossiles. On détruit tout simplement l'environnement, enfin, tout ce qui va avec, quoi. Du coup, voilà, j'ai eu le temps, enfin, j'ai pas eu le temps de faire ma deuxième partie, mais j'ai eu le temps, du coup, de faire ma première partie. Enfin, intro, première partie, et j'ai pas eu le temps de faire la deuxième, et du coup, la conclusion. On avait 2 heures pour le faire, et puis voilà, donc, c'est relativement bien passé en anglais, enfin, je pense, après, on verra bien le résultat, mais. Je pense l'avoir plutôt bien réussi. Ensuite, mathématiques, on a continué. Et on s'est garé, je vais le chercher. Enfin, on a continué rapidement le son de base et puis directement attaqué avec le nouveau chapitre. Hop. Il vient tout juste d'arriver, c'était pour ça. Enfin, c'est pour ça que j'ai pas encore défait mon sac. Voilà. Et il est là. Voilà, donc chapitre 7. Déjà, donc comme je l'avais dit hier, nombre réel et suite numérique. Donc là, la première partie, donc c'est donc R, grand R est un corps totalement ordonné, et sa première sous-partie, donc rappel et complément sur les ensembles ordonnés. Voilà, ça c'est pour les 2 heures de cours. De 10 à 12, du coup voilà, et on a terminé. Enfin, on a vu tout ce qui est maj, inf, min, majorant, minorant. Et on a terminé aujourd'hui sur R, donc les propriétés de la bande supérieure, avec le théorème soit A inclus dans R, une partie de R. Propriété de la bande supérieure, donc si A non vide, enfin est non vide et majoré, alors A possède une borne supérieure. Et probabilité de la borne inférieure, si A est non vide et minoré, alors A possède une borne inférieure. Du coup, voilà. Du coup, voilà ce qu'il était pour les maths. 10 à 12, qu'est-ce que j'en pense de ce nouveau chapitre? Bah, ça fait du bien par rapport à ce qu'on a eu avant. Hein. Par rapport aux leçons de base, tout simplement. Ça fait plaisir. Et l'après-midi, 2 heures de français. Français, on a continué toujours l'étude du livre, c'est la première partie du livre de Rousseau. Du coup, voilà, enfin, rien de particulier. Que ce soit, enfin, je vous avoue, c'est un peu la permanence, je pense, pour tout le monde. Personne n'est vraiment attentif à ce que peut nous dire la prof. Enfin, tout le monde fait son petit truc à côté, mais voilà. Sinon, après, je pensais que j'avais colle d'anglais, enfin, je vous avais dit ça hier soir. En fait, c'est juste, je ne sais pas pourquoi, en regardant mon calendrier, j'ai décalé ça d'un jour. Alors, je l'ai bien noté hein, pour l'anglais. Enfin, colle d'anglais, du coup, pour demain. Mais je ne sais pas pourquoi, enfin, je le voyais aujourd'hui. Du coup, après le français, je suis parti travailler. On va avancer sur le cours de maths et de physique. Vu que demain, on a physique. Enfin, TD. Non, cours, pardon, de physique. Et puis voilà.
beaucoup que ça. Enfin, après, je suis parti à la bibliothèque universitaire. En premier temps, je suis parti au CDI, puis après, bibliothèque universitaire. Comme il ferme plus tard, et puis comme ça, au côté de chez moi. Donc, c'est impec. Sinon, sinon, voilà, ce soir, ça va être des maths et de la physique, encore une fois. Pourquoi pas un peu d'anglais, je pense que je vais faire ça, allier l'utile à l'agréable. Donc, petit. J'avais pas un film, mais un petit truc qui dure une demi-heure, un truc comme ça. Et puis voilà, sinon, demain. Demain, SI, maths et physique. SI, ma cour, quoi, de 8 à 9. Ensuite, de 9 à 12, on a maths. Et l'après, de 13 à 15, j'ai physique. Et à 15-15, du coup, j'ai ma colle d'anglais. D'ailleurs, on a basculé sur le format concours, c'est-à-dire qu'on aura une bande audio maintenant. Jusqu'à maintenant, on avait un texte. On avait un texte, on devait préparer en 20 minutes. Donc, faire une analyse et puis après, donner notre opinion sur le texte. Et puis après, il y avait la partie où on échangeait avec là où le colère. Non, le colère. Je crois que j'ai dit le colère. Aucun sens. Enfin bref. Et c'est ça, 15-15, du coup, j'ai ma colle d'anglais. Et oui, nouveau format, on aura la bonne audio. Et puis on aura ton temps de préparation, 20 minutes. Sauf que, on n'aura pas de support papier ou quoi que ce soit, ça va être juste ça. À l'écoute. Et puis voilà, donc comment on va s'organiser le mercredi 24 novembre. Ça passe déjà. Enfin, ça passe trop vite. On est déjà le 24. Alors là, je viens d'avoir 5-10 secondes où je prenais un peu conscience du temps qui passait vite. Vous avez certainement ressenti ce truc-là, mais voilà. Mais en tous les cas, je vais vous laisser les amis. Bah, c'est une excellente soirée. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner pour faire grandir la communauté, pour que voilà, on fasse des projets un peu plus fous. Enfin, fous dans le sens où on se rapproche vraiment un peu plus du métier de pilote de ligne. Et puis voilà, passez une excellente soirée, travaillez bien. Et on se donne rendez-vous demain pour le débrief. Du coup, vraiment de la colle et de l'onde aujourd'hui, faire de la colle d'anglais. Ciao les amis, c'était Rod tout pilote de ligne. À demain!